On est en route pour récupérer les clés. Ce soir, on a les bureaux. C'est enfin l'heure de vous montrer les bureaux. On va tous avoir envie de rester ici, ça va être trop beau, quoi. Il y a le décorateur qui m'attend. Mais toi, là, je pense que mettre un beau miroir. Le canapé, on commence par ça parce que je suis surexcitée. C'est un peu la catastrophe parce qu'en fait c'est un vieux parquet donc du coup c'est pas du tout stable. Il est beaucoup trop grand. Il faut que j'unboxe ça, je vous jure que je sais pas ce que c'est. Je crois qu'il y a trop de commandes pour moi là. Première, je crois que c'est une lampe. Oui, c'est une lampe d'open space. Pour les lampes d'open space, on a décidé de prendre des lampes sans fil pour mettre sur les grandes tables. Parce que sinon entre les câbles d'ordinateur plus les câbles de... Oula, c'est trop de câbles pour mon cerveau, donc on a pris des petites lampes sans fil qui sont aussi apparemment sans je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Soit ça s'est pété, soit je suis débile. Franchement, c'est joli pour mettre sur les bureaux. C'est un pic à saucisse. On va faire des barbecues. Je suis un peu fatiguée pour faire des blagues comme ça. Ça, c'est les lampes pour nos bureaux avec Jérémy. Ah, elles sont tellement lourdes les lampes. Normalement elles sont extrêmement belles. J'espère. On en a commandé 4. Ah, il y a marqué percuteur. Je le fais pas du coup. Je pouvais totalement passer un cutter et il y avait du polystyrène partout. Mais c'est ultra lourd. Je pensais que ça allait être tout léger en mode plastique. Et je pense qu'il manque... Bah Jérémy, j'ai une mauvaise nouvelle. Bah si, y a pas d'ampoule. Et du coup tu peux pas l'utiliser maintenant, faut l'acheter. Bah juste des elle est super. Ok. Ah mais elle est énorme en fait. Oh oui, j'aime ça. Elle est énorme. En fait on est censé mettre une big sur nos bureaux avec une autre sans fil un peu plus petite. Elle est stylée hein. Franchement grave, mais elle est énorme. Ça me donne envie d'aller acheter des ampoules ça. Franchement, c'est celle de ton bureau. Ça. Elle est grave belle. Pourquoi? Parce que la mienne, je veux l'unboxer bien propre. Mais tu crois que je l'unboxe pas bien propre? Non, bah, tu l'unboxes tout seul. Ouais, ça me va. Je l'unboxe qu'une seule. Elle est énorme, elle fait la taille de ma tête. Bon, va m'acheter une ampoule, s'il te plaît. Quoi? Va m'acheter une ampoule, s'il te plaît. Elle est énorme. Elle est un peu plus foncée que le bureau. Ok, bon, ça c'est trop bien. On va pouvoir peut-être éclairer cette pièce. S'il y a une notice, je l'ai jetée partout. Vas-y, arrête pas. S'il te plaît, là, tu me fais trop perdre mon temps. C'est de l'autre côté. C'est marqué première ligne. J'ai pas eu le temps parce que tu me déconcentres. Oui. On a reçu ça. Je sais pas. Oh, mais c'est les autres. C'est les sans fil. On les a reçus. Waouh. Elle est trop mignonne. Regardez. Moi, j'imaginais comme ça la grande. Comment ça s'allume ce merdier? Je capte pas là. Il y a pas de bouton. Je suis stupide, je pense. Ce serait pas étonnant. Ah, ok. Faut taper sur la lampe. Et du coup, comme elle est pas chargée, ça marche pas. Bah, ça me dérange pas, hein. Ça va plus du tout de filmer dans le noir. En fait, je travaille toute la journée et le soir, j'essaie de venir au bureau. Mais du coup, c'est un peu compliqué pour ces vlogs. Tiens. T'as une assurance vie? Non. Éclaire-nous ce plan, là, on voit rien. J'adore les bureaux. Ok, je suis trop contente. Là, j'aime trop parce que c'est une vague très cosy. Ok, ça prend grave forme, c'est cool, mais genre d'avoir de la lumière dans mon bureau, c'est ce que j'attendais vraiment. Alors, West Wing, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça. C'est toi qui l'as commandé en plus, c'est même pas moi. On n'a pas d'ampoule, quoi. Moi, j'y retourne pas. Après, c'est pour l'open space, on n'a pas d'open space, donc pour l'instant, on n'a pas besoin d'ampoule. Cette pièce, comment dire? Comment dire? Bon, cette lampe, elle est censée aller sur la cheminée de l'open space. En vrai, elle est pas mal. Juste, la cheminée de l'open space est inaccessible, donc on testera ça un autre jour. Ok, ça, je pense... Je sais ce que c'est... Ça va pareil dans l'open space. Wow, c'est super rose. C'est trop beau en vrai. C'est grave stylé. Je pensais pas que ça allait être stylé, donc je suis contente. Vous savez, il y a des vidéos sur ma chaîne que j'ai tournées à des moments particuliers de ma vie. Par exemple, la première fois que je suis allée en Corée, la première fois que je suis allée au Japon, et c'est trop une ambiance de vidéo particulière. Et parfois, je les regarde parce que j'aimais trop ces moments-là. Comme quand tu regardes tes photos dans ta pellicule, bah moi, parfois, je regarde mes vidéos. Pour certains moments de ma vie, bref, vous avez compris. Et là, je me dis, dans quelques temps, je re-regarderai ces vidéos en disant genre, je sais pas, cette vibe du soir, quand on unboxait tous les bureaux, ça n'avait aucun sens. Ok, bon là, par contre, c'est bordel. Ça, Jérémy, c'est ta deuxième lampe, la petite. Wow. Ouais, c'est pas du tout assez fort. Oh là là, t'es jamais content. Mais non, mais la pièce, il fait noir. Mais Jérémy, tu te doutes bien que tu vas pas mettre que ça. Il faut acheter des lampes, des lampadaires, genre. Ah, on est d'accord. Bah, évidemment.
que t'allais éclairer toute ta pièce avec une lampe de bureau. Je ne comprends pas ce qu'il pense. C'est trop une vibe. Genre là, mon bureau derrière, avec les petites lampes. Waouh, tu caches tout. Et là, Jérémy. J'adore. Je suis trop contente. Bonjour. Je suis de retour au bureau. On est, je sais plus quand est-ce que j'ai filmé la dernière fois, c'était genre il y a 2-3 jours. La très bonne nouvelle, c'est qu'on a reçu mes fauteuils. En fait, c'est une vidéo, c'est pas les bureaux, c'est une vidéo unboxing géant. Tous les jours, on unbox des trucs. Je savais qu'il fallait meubler tout un bureau et que j'avais rien, mais on reçoit et on commande tellement de choses. J'avais pas mesuré à quel point ça allait être énorme. Et je suis trop contente parce que demain, on reçoit les tables d'Open Space. Donc ça veut dire que tout le monde va pouvoir venir au bureau. Et ça, j'avoue que c'est la bonne nouvelle. J'aime pas mon sens, je trouve que ça coupe la pièce. Vous trouvez pas? Ouais. Genre dans ce sens-là, ça faisait vraiment tac-tac devant les fenêtres, à la cheminée. Oh là là, c'est galère quand on est seul. C'est beau! Bah franchement, je vous jure, il est tellement moins cher que l'autre. Et il est super bien. Il ne rend pas jaune. J'adore! Je crois que je vais aller chercher une lampe parce qu'on voit vraiment rien. Je galère tellement. Je suis fan. C'est trop beau. Regardez comment ça rend bien. J'adore. Par contre, la lampe, je trouve qu'elle va pas du tout ici. Mais je pense que je mettrais plutôt un vase ou quelque chose comme ça. C'est trop beau. Genre, ça y est là. Mon bureau, il prend forme. Il manque que le tapis. Le grand miroir, ça par contre, on sait toujours pas où est-ce qu'on va commander. Des lampes parce qu'il n'y a pas de lumière. Et après, c'est de la déco. Genre pour l'espèce de... Ici, mettre de la déco. Les plantes. Mais sinon, il y a tout. Enfin, il y a les meubles quoi. Là, c'est juste des petits trucs en plus à ajouter. Jamais j'aurais pu imaginer avoir un bureau pour moi toute seule aussi beau. Il est trop beau. Et la déco, ça rend encore mieux que ce que je pensais. On est trop bien. Par contre, je pense que je vais investir dans des plaids pour le canapé et les fauteuils. Je pense que même si ça me fait dépenser un peu plus d'argent, ça me les fera garder beaucoup plus longtemps. Donc, c'est plus intelligent. Parce que là, c'est quand même assez salissant. Donc, je mettrai des petits plaids jolis pour qu'on puisse s'asseoir dessus sans réfléchir. Genre le jean bleu brut. On sait ce que ça fait. On a aussi reçu la petite table, vous savez, qu'on va mettre dans le salon, sauf qu'elle est tellement grande. Ah bah, qui a ouvert? Oh non, il y a du montage. Ah mais le plateau n'est pas en marbre, c'est du métal. Dans ma tête, c'était du marbre, mais non, du coup, c'est du métal beige. En vrai, c'est pas plus mal parce que la table basse, elle est en marbre gris, et la grande table, elle est en traversin, donc au moins, il n'y a pas 40 matières différentes. Sans la notice. Dans le temps, bon, sans vouloir juger. C'est beau en vrai. C'est pas... Bah juste j'imaginais pas comme ça. Moi je croyais que ça c'était en marbre. Ouais moi aussi. Genre pareil que là. Ouais. On attend tous patiemment qu'est-ce que c'est cette table. Ok, voilà. Là, je vais me poser. D'ailleurs, il faut que j'installe mon gros ordi, on me l'a ramené. Je vais me poser pour voir les nouvelles propositions du décorateur parce que là, il a fait une sélection pour la déco, pour les plantes et il manque quand même des meubles qu'on n'a pas commandé encore. Genre les fauteuils de bureau par exemple, ça c'est les trucs de l'open space. Il y a quand même des... il manque des choses. Donc, il faut qu'on avance dessus. Alors, du coup, pour les plantes, pour mon bureau, on a celle-ci qui est très jolie. D'ailleurs, c'est celle que j'ai chez moi. J'ai dit que si on mettait des plantes ici, c'était pas moi qui allais gérer. Et tout le monde était d'accord avec moi. Donc, promis, là, ça se passera pas comme chez moi. Et on a celui-là que j'aime bien. Ça, je pense qu'on le mettra là où je vous ai montré le petit rebord. Pour le bureau de Jérémy, bah la même chose. Celui-là et celui-là. Je pense que ça ira sur la cheminée, lui. Ensuite, pour l'open space, nous avons ça qu'on pourra sûrement mettre sur la cheminée. Ça, j'adore. C'est trop, trop beau. Et une énorme plante. Les deux à côté, ça va être très, très beau. Je sais pas trop, on va le mettre peut-être à côté du miroir qu'on n'a pas acheté encore. Ensuite, pour le salon, on a plein de plantes. Donc, on a une autre très grande. Celle-ci aussi, elle est grande, donc c'est très bien. Ça, un peu plus petit. Ça, je pense que ce sera plus pour dans la bibliothèque. La bibliothèque, c'est vraiment le truc. Genre, si on commence à tout décorer dès maintenant, ça va coûter trop cher parce que bah, elle est immense. Donc, je pense qu'on va vraiment y aller au fur et à mesure, même si ça fait pas trop fini pour l'instant. Et pareil, cette plante. Alors, attends, on a... 3 grandes du coup pour le salon. J'ai peur que ça fasse un peu trop. Limite, je préférerais 3 plantes dans l'open space parce qu'il y a plus de place. À voir, mais en tout cas, tout me plaît. Donc, les plantes, globalement, c'est bon. Je pense que je vais pouvoir tout commander. Ensuite, on passe à la déco. Alors, ça, j'ai trop hâte de voir. Alors, là, c'est les options de vase. Oh my god, tout est rose, j'adore. Ça, j'aime tellement celui-là. Il est trop beau. 390 euros. Oh my god, pourquoi tout ce qu'on aime, c'est cher? Je comprends pas. Sinon, on a le vase bleu qui est aussi très bien. Vase confetti, c'est beau. J'aime bien le fait qu'il y ait du rouge avec la fraise. Vous avez compris. Lui, il est cool pour la bibliothèque, je pense. Ok, donc là, si je devais en choisir, je choisirais celui-là.
qui coûte un rein. Ce vase confetti ou ce vase confetti. Je crois que je préfère celui-là, mais je me dis celui-là au moins il fera moins rose, il y a plus de rouge, il y a d'autres couleurs. Je pense qu'il faudrait autre chose que du rose. Je sais pas si je vais réussir. Peut-être celui-là, le marbre beige, en plus il est pas ultra cher. Ensuite, des vide-poches, donc ça c'est pour mettre sur les deux petits blocs qui sont dans l'entrée. Ça c'est incroyablement beau, ça c'est sûr que je le prends, c'est trop beau. Ça c'est beau hein, ça c'est très beau. Ok, ensuite option serre-livre et sous-verre. Alors les sous-verres, j'en ai déjà commandé, j'ai oublié de lui dire en fait. Serre-livre comme ça c'est beau, ça j'aime pas trop, ça non plus, ça non plus. Donc je vais passer commande ce soir de quelques petits vases, etc. Et c'est trop bien parce que demain, c'est un peu le premier jour où on va vraiment venir au bureau pour travailler parce que ça y est, mon ordi est ici. Donc du coup, ça veut dire que je travaille officiellement ici. Et demain, c'est la journée où j'ai pas besoin de tourner de vidéo ou quoi que ce soit. Genre c'est la première journée depuis qu'on a les bureaux où j'ai pas de vidéo à tourner. Donc j'ai pas besoin d'être chez moi, vraiment je peux passer une journée complète au bureau. Je suis trop contente, vraiment je suis trop contente. Nous avons une situation d'urgence. Jérémy est là pour vérifier que je suis bien en train de filmer. Je vous explique. J'ai reçu une commande très attendue pour apporter de la vie dans ces bureaux. C'est ma commande Interflora. Je suis tellement contente. Pour info, c'est Interflora qui m'offre les plantes des bureaux. Genre quand ils ont su qu'on avait des bureaux, qu'on allait tout meubler, ils se sont proposés et franchement, c'est la meilleure décision du monde. En fait, Jérémy met la pression parce qu'il me dit vite, faut unboxer parce que je veux pas que les plantes restent dans les cartons. Trop bien. Commence même pas à choisir la meilleure pour ton bureau. Vraiment, le service de livraison, c'est une dinguerie parce que quand j'avais déménagé, qu'on avait dû prendre la voiture pour acheter des plantes, on l'avait mis partout, on avait galéré. Là, tu commences sur internet, tu reçois ta plante, c'est trop bien. Dans mon appart actuel, c'était la première fois où je mettais des plantes dans un de mes appartements parce que j'avais jamais eu l'espace de le faire. Et quand je vous dis que ça change tout, ça apporte de la vie. Et j'avais jamais porté trop d'intention à ce détail de plantes, mais ça change tout. Et là, dans des bureaux, c'est obligatoire. Ok, donc ces pots-là, c'est pour les plantes qui vont dans nos bureaux. Bah voilà, c'est ça. Et du coup, c'est des pots, parce qu'il y a une petite coupelle. Je comprends rien aux pots, aux cache-pots, aux plantes, je suis nulle. Tu vois le pot, tu vois le truc en plastique? C'est un pot. Mais c'est pas un vrai pot. C'est un pot plastique. Si, c'est un pot, c'est un pot plastique. Et les gens, ça, mais on voit toujours le pot derrière, donc c'est moche. Sinon, tu rempotes. Mais rempoter, c'est un autre bail. Faut acheter plein de terre, des kilos de terre. Et ça, c'est pas ta vie à faire. C'est pour ça que j'ai jamais compris, c'est pour ça qu'il y a eu des petits soucis chez moi de... Ah bah non, toi c'est une folie toi. Hop, et après on rempote. Ok, mais on se jure qu'on rempote. C'est pas toi qui va le faire, c'est ton assistante. Toi t'en es incapable, elle a la main verte. Donc ça va dans nos bureaux. Il y en a deux, il y a celle-ci aussi, on va mettre le pot. Et il y en a une troisième, celle-ci, qui va dans le salon. Vous savez que là ça fait grave longtemps que j'ai pas filmé. Et genre on a vraiment reçu trois cartons entre temps, donc ça n'a absolument pas avancé. J'ai tout mis en stand-by, on a eu plein de soucis à gérer, donc ça a pris du retard. Mais je me dis, plus ça prend du retard, plus il y aura d'épisodes. Et en vrai, faire des épisodes de déco et tout, je crois que j'adore. Ça va. Bravo. Ah putain, il y avait une histoire, mais je me rappelle plus. Bah tu vois, ça c'est un cache pot, c'est pas un pot. Donc ça tu peux pas rempoter là-dedans. Ah, parce que t'as pas de petit trou. Oh là là. Tu vois? Je sais ce que c'est. C'est mes dessous de verre. J'attendais avec impatience parce que dès que quelqu'un pose un truc sur une table, je suis en mode attention. Ça me fait trop peur. Ça c'est des marbres blancs et j'ai aussi commandé, tu vas voir, des marbres verts. Ils sont trop beaux normalement. Oh mon dieu, ça sent le vomi. Ah. Trop beau. Des petits dessous de verre en marbre. J'en mets partout, le message sera clair. Mettez des dessous de verre s'il vous plaît. Oui, c'est beau. Ah, trop bien. J'en veux bien dans mon bureau. Bah, c'est pour tout le monde hein. Ils sont grave beaux en verre. Franchement, plutôt cool. T'as pu commander, tu vois, t'as aucune idée? Aucune idée. Qu'est-ce que c'est que ça? Le voisin. C'est quoi ça? Il est pressailli. Ça va pas du tout. Il y a les trucs qui rentrent pas dedans, c'est beaucoup trop petit. Et même, c'est censé être blanc, là c'est jaune, genre on dirait que... On dirait qu'il est sale. Toi. On dirait que je suis allée marcher dans la terre, je me suis... C'est mon paillasson. Oh mon dieu l'odeur. Sans Jérémy, sans je t'en supplie. Oh mon dieu, je t'explique la situation. J'ai commandé une plante qui n'était pas chez Interflora. Et pour moi, étant donné que la pièce est immense, c'était une plante grande comme ça. Donc j'ai pris un énorme pot. Non mais il est beaucoup trop large. Bah alors on rend quoi? Ah bah je suis en train de tout déballer. Non mais non, on va juste acheter un arbre. On va acheter un arbre? Bah ouais.
M'aide pas surtout. Tu me regardes, toi, t'es vraiment une horrible personne. J'ai réfléchi en même temps. Ouais, ouais, mais ça fait 200 kilos. Tu me regardes. Mais là, c'est une plante, c'est une maison, c'est une forêt qu'il faut mettre dedans. Tu vas te casser, mais c'est pas grave. Regardez la plante, et je vous jure qu'elle a l'air encore plus grande à la caméra. Et regardez la taille du pot. Vas-y, mets-la dedans pour voir. Non mais c'est n'importe quoi. C'est gravissime. N'importe quoi. Toi, tu peux pas... Il y a une règle au bureau. On enlève ses chaussures pour l'instant. Bah là j'ai des ailes. Hein. Bah c'est ça le problème. Ouais. C'est ce que je te reproche. Pas mal, non? Ouais. C'est stylé en vrai. C'est sa place. Je pense que je mets à côté. Pas. En vrai, c'est joli ça. En fait, faut que je regarde si j'ai une troisième plante. Genre, si j'en ai une petite, je la mets sur mon bureau, tu vois. Mmh. Ah non, il y avait là aussi. Genre, avec un beau cache-pot, c'est peut-être mieux d'avoir une plante parce que là, il y a vraiment de l'espace sur. Genre, ça comble l'espace. Bon, il y aura pas du tout cette lampe sur l'espèce de cheminée là, mais on a des petits soucis de d'éclairage. Mmh. Dans ton bureau, il y a une blanche. Bah, en fait, je l'aurais bien mise ici, mais il y a le radiateur. Ouais. Oula. Comme ça. En vrai, c'est bien. Ouais. Bah, en fait, ça prend de l'espace ici, alors que là, il n'y avait pas d'espace. Et là, pour moi, c'est soit sur ton bureau, soit sur ta cheminée. Non, c'est beau, hein. C'est beau. Bah, en vrai, c'est pas mal, non? Non, sur le bureau, mais le problème, c'est sur le bureau, c'est que je sais pas pourquoi ça. Je trouve que c'est un peu, honnêtement, trop big. Et essaye là, au pied de cette plante. Non. Non, ça fait ridicule. Ça fait vraiment... Franchement, la cheminée, c'était le mieux. Je sais que vous êtes de bons conseils pour les plantes parce que quand j'avais plein de questions à vous poser, vous répondiez toujours. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées d'emplacement ou de... Enfin, par expérience, je sais pas, des choses, des informations parce qu'on en a aucune. C'est pour ça que j'ai jamais compris, c'est pour ça qu'il y a eu des petits soucis chez moi. Ah ! Ensuite, on a cette plante-là, donc qui est toujours la même que dans notre bureau, mais celle-ci, elle va dans le salon, si tu veux la mettre. Je me disais dans l'angle, mais... Ou non, là, peut-être, à côté de la cheminée, je pense que c'est mieux. Avec un beau cache-pot, ça va être trop beau. Celle-ci, je crois qu'elle est dans le salon, je vais regarder. Ouais, salon. On verra, mais je pense qu'après, on pourra la mettre ici, pour que ce soit joli, ça rajoute un petit truc, je pense, dans la cuisine. Ok, trop bien. Ensuite, cette plante-là, elle va dans l'open space, donc pour moi, c'était censé aller à côté de cette énorme chose. Ok, et du coup... Celle-ci, elle va dans la pièce secrète. Celle-ci, elle va dans le salon. Donc, je pense que ça, on peut mettre dans la cuisine. Et celle-ci, en fait, elle va dans mon bureau. J'avais zappé. Je pense que limite, soit je la mets en dessous de la cheminée. Enfin, je vais changer c'est ou bien, genre, je mets à côté de l'autre. Ouais. Je pense que ça sera mieux. Ça, bien comme ça. Franchement, c'est bien, là. J'aime trop avoir plein de plantes. Franchement, c'est très beau. Et après, quand on recevra le big miroir, peut-être qu'on mettra une plante au pied. Avec un beau vase, ça peut être beau aussi. Voilà pour cet épisode 2 des bureaux. Je suis trop contente. Et j'ai décidé de faire un troisième épisode qui sortira mercredi, donc la prochaine vidéo, où vous pourrez voir du coup la fameuse pièce secrète. D'ailleurs, j'ai bien vu sous le premier épisode des bureaux vos commentaires à propos des chaises, donc j'en ai déjà commandé d'autres. Je vous écoute. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, ce petit vlog au bureau. Il manque tellement de choses encore. C'est interminable, mais ça commence vraiment à prendre forme. Enfin, on bosse tous les jours ici. J'ai envie de rester là tous les jours. D'ailleurs, je suis là tous les jours. Le soir, on repart hyper tard, mais en fait, on est tellement bien. C'est trop agréable. Voilà, j'aime trop. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, on est bientôt 500 000. Est-ce que vous pensez... J'allais dire je pense pas, mais franchement, je sais pas. Est-ce que vous pensez qu'on va être 500 000 avant la fin de l'année? C'est grave possible parce que là on est 491 000 je crois à l'heure où je vous parle. Donc en vrai tout est possible. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok. Voilà, je suis active vraiment tous les jours sur Insta. D'ailleurs il y a aussi le Insta, le TikTok de Mila Matcha. On pose des trucs tous les jours et il y a le restop qui arrive. Promis il arrive. Il y a un petit truc qui sort cette semaine sur Mila Matcha. Je vous dis pas quoi. C'est pas vraiment un restock mais il va y avoir quelque chose. On vous informera de tout là-bas, j'ai trop hâte. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode de décoration des bureaux. Mmh. Oh.